Au départ, c'était juste des tests que je faisais avec des potes, l'expérimentation sur l'expérimentation au niveau de la lumière. Où, après, j'ai vu que les gens étaient mal à l'aise à une certaine distance, c'est-à-dire qu'une fois il y a un rapprochement et que les gens ne posaient pas de la manière qu'ils voulaient, il y avait une gêne. Et c'est là où j'ai commencé à demander aux gens de poser de manière relâchée et sans expression, c'est-à-dire avec une expression neutre. Le projet, il dénonce en fait cette frénésie qu'on a de sublimer notre image à travers les filtres. Sur Snapchat, ouais, sur Instagram, toujours se photographier d'un angle où on se voit, où on se présente, on va dire, de la meilleure façon. La retouche d'image, c'est quand tu vois dans le visage de quelqu'un et que tu lui enlèves ses marques ou ses blessures, ou je ne sais pas, il y a des dents jaunes. Le travail est plus un travail de. Il n'y a pas de choix. C'est-à-dire que tout le monde est invité à venir vivre l'expérience. Et à se voir de manière neutre. Parce que je trouve que tout le monde est beau dans sa neutralité. Sans artifice. Il y a eu pas mal d'expériences. Il y a une fille qui est venue faire le portrait avec quelques amis à elle. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a fondu en larmes en regardant son portrait. Elle était choquée. Et il y a eu des gens qui étaient positifs et réceptifs au projet, c'est-à-dire que ça leur a ouvert en quelque sorte les yeux sur ce qui se passe aujourd'hui.